Salut, salut la famille, bienvenue sur la part de Merveille Prince. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater tout ce que j'ai l'habitude de publier cela. Bon la famille, aujourd'hui, j'essaie de faire un petit résumé de mon parcours. Si ça vous tente de le regarder, j'essaie de faire un petit résumé de mon parcours. J'essaie un peu de vous détailler, j'essaie un peu de vous expliquer pourquoi moi je m'investis carrément à l'intérieur. Parce que moi, lorsque je me suis engagé dans cette activité, je ne voyais même pas peut-être l'idée de gagner quelque chose à l'intérieur. C'était plutôt autre chose. Alors, la famille, au cours de cette vidéo, je vais essayer de vous détailler étape par étape un peu de ce qui m'a poussé à rentrer à l'intérieur et de ce qui me pousse à encore me maintenir à l'intérieur. Malgré tous les problèmes que j'ai eu à rencontrer, comme vous le savez, vous avez informé de tout ce que j'ai vécu. Donc, cette vidéo, je sais pas tout vous expliquer. Avant de commencer, je tiens à remercier ceux qui ont eu la peine de s'abonner. On est aujourd'hui à 2000 abonnés. Merci, 2000, merci vraiment. Pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps de s'abonner, abonnez-vous. On partage des astuces, on partage des méthodes pour faire un bon élevage ici là. Bon, la famille, pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais prendre donc en globalité pour ceux qui viennent de me découvrir. Merveille Prince, c'est quoi? À la base, Merveille Prince, ce n'est pas un surnom. Merveille Prince, c'est la succession de mes deux prénoms. C'est Merveille et Prince. Donc, Merveille Prince n'est pas un surnom comme certains le pensent. Merveille Prince, c'est mon. Ce sont mes deux prénoms successifs. Donc, il y a Merveille et il y a Prince. Où il y a eu l'idée d'appeler ma chaîne Merveille Prince. D'ailleurs, Merveille Prince est devenu en globalité. Merveille Prince est devenu comme une marque. Plus que même dans mon groupe qui est sur WhatsApp, mon groupe WhatsApp s'intitule la Team Prince. Merveille Prince ne me reconnaît plus en tant que moi, mais Merveille Prince on connaît en totalité. Donc, en globalité, Merveille Prince regroupe pas mal de personnes. Plus que ceux qui se reconnaissent en Merveille Prince. Il y a des gens qui se reconnaissent en Merveille Prince. Ce n'est plus moi, c'est devenu l'ensemble de beaucoup de personnes. À la base, lorsque j'ai commencé cette activité, avant c'était Maison d'Aneton. Pour les anciens savent que c'était Maison d'Aneton. Mais lorsqu'on entre sur YouTube, il y a beaucoup de Maisons d'Aneton. Comment faire pour se distinguer? C'était un peu difficile. Et il fallait aborder un nom propre, un nom que personne d'autre ne possède. Comme mon propre prénom, sa personne d'autre ne le possède. Oui, il peut avoir une personne qui s'appelle Prince, et il peut aussi avoir un autre qui s'appelle Merveille, mais les deux, non. Voilà pourquoi j'avais titulé Merveille Prince. Donc là, dès que vous tapez Merveille Prince, vous tombez sur moi. C'est un peu ça la famille. Donc lorsque j'ai commencé mes recherches, puisque moi, c'était lorsque je faisais certaines recherches sur YouTube. Donc certains regardaient certaines vidéos de motivation. Il n'y avait rien à faire, c'était en année 2022. Je peux faire quelques recherches sur YouTube et je tombe sur une vidéo. Des Asiatiques. Je regarde juste la photo qui était sur la vidéo. Ça captait pour mon attention. J'ai dit que mais ces choses-là, moi, mon grand-père et ma grand-mère me les ramenaient souvent lorsqu'ils revenaient du village. Puisque ma grand-mère a plus vécu au village. Donc lorsqu'elle vient, ils nous ont amené ça souvent. Même mon oncle aussi nous a envoyé ça. J'étais un peu étonné. Je dis que tiens bon, je vais aller jeter un coup d'œil. Je dois jeter un coup d'œil pour voir. En regardant, j'ai eu le temps de regarder la vidéo. Ça m'a interpellé. Je dis que oh, ce genre de choses, ça se fait. J'essaie un peu de me renseigner chez mes grands-parents. Mes grands-parents m'ont fait comprendre que non, ça n'existe pas. On les obtient juste dans le palmier, le rafia ou le sagoutier. Et pourtant, moi, j'ai vu. J'ai commencé à pousser un peu certaines recherches. C'est là où ça m'a eu l'idée, le cœur. De y mettre, d'aller un peu fouiner pour savoir. J'ai commencé à faire recherche, juste que je suis tombé sur des vidéos des Camerounais. J'ai apprécié quand même le travail qu'ils faisaient. Mais pour essayer un peu d'apprendre plus, il fallait débourser de l'argent. Mais moi j'avais rien. J'avais rien pour faire une formation. Et lorsque vous demandez la grille tarifaire, des fois c'est à 50 000, à 60 000, 70 000. Moi je n'avais pas cet argent pour payer. Je n'avais pas les moyens pour payer cet argent. D'accord. Il fallait me débrouiller autrement, puisque ça commençait à capter mon attention. On a pu se débrouiller autrement. Alors les petits jetons qu'on trouvait, on met le forfait, on va rechercher de gauche à droite. Ça me tenait en tout cas, je me suis mis à l'intérieur. Certains petits budgets
qu'on avait, qu'on était peut-être censé faire autre chose. Je commençais à prendre cet argent, que je vais peut-être acheter quelque chose, mettre le forfait, puisque là où je vivais, il n'y avait pas le wifi. Il faut mettre le forfait avec votre argent. Et vous-même, vous savez que non, le club connexion en Afrique, c'est vraiment cher. Donc, du fait de l'argent, vous pouvez dépenser 2 ou 3 000 que peut-être vous devez utiliser pour acheter un truc à manger. Heureusement, Dieu était là en train de me regarder. Des petits recherches. Jusqu'à temps, j'ai eu une petite idée de faire certains tests. Au début, ça commençait à capoter. Ça commençait à capoter. Le premier test que j'ai fait, c'était dans la production des géniteurs de la canne à sucre avec des écorces de coco. Si vous regardez dans la section vidéo en bas au fond, c'est la première vidéo. C'est là où je montrais même comment faire la différence de la larve mâle de la larve femelle. Puisque j'avais souvent le temps de suivre certaines conférences libres que les Européens organisaient pour essayer un peu de débriefer le mode de vie du Rhinocéros ferruginé. Puisque les Blancs, les Européens étudient le charançon rouge du palmier. Pour différentes raisons, puisqu'ils s'attaquent souvent aux palmiers européens. Donc, moi, j'avais cette habitude de participer à certains de ces vidéos, de ces visions, pour essayer un peu de soutirer le monde. Puisque eux, ils font pour lutter. Moi, je retiens ce qui est positif à l'intérieur pour venir le développer dans notre camp. Donc, c'est ainsi que tout. C'est là où la machine a démarré. Moi, c'est cette recherche. Donc, en fait, moi, lorsque je suis arrivé à l'intérieur, je m'étais dit que non, je n'ai rien reçu. Puisque je suis allé toquer, on m'a refoulé, personne n'a voulu m'aider. Moi, je vais m'arranger, le peu que je vais obtenir, je vais aider les autres. Puisque je savais que je n'étais pas le seul dans cette situation. Il y avait peut-être d'autres personnes qui vivaient la même situation. Je me suis dit que non, je vais essayer un peu d'aider les autres là avec le peu que je pourrais obtenir. Donc, c'est comme ça faire. Des vidéos, pas mal de vidéos, je recherche, je publie, je poste. Des fois, on fait certaines vidéos, une personne veut savoir plus. Ah voilà, payer un petit 1 000 francs, un petit 2 000. Ça là, ça nous permet d'avoir encore un petit argent, d'aller faire encore certaines recherches, pour venir encore republier, repartager. Donc c'est comme ça là, je fais ça un peu mieux, tout avec mes vidéos là. Là, la machine a démarré jusqu'à commencer à s'améliorer. Ce que fait à la fois, je cherchais un endroit où me focaliser, puisque on se demandait même, bon, finalement on est bon à rien, finalement on n'a aucun repère. Plus je cherchais un repère retrouvé, on va là-bas, ça marche pas. Mais je me sautais au moins dans un endroit où peut-être j'étais vraiment un peu à l'aise. J'ai dit que non, cette activité, il faudra le prendre au sérieux. Je me suis versé carrément à l'intérieur, dans le secteur, dans l'entourage. Il faut que non, celui-là peut-être, voilà, donc l'école c'est fini pour lui. Ce qu'il fait là donc, c'est déjà cool. Puisque chez nous en Afrique, on a plus cette mentalité. Je ne sais pas dans d'autres pays, mais chez nous, souvent lorsque vous faites les activités agro-pastorales, donc les activités qui concernent la terre, donc l'élevage, l'agriculture, même la mécanique, on dit que peut-être celui-là donc, l'école ça n'a pas marché. Donc c'est considéré comme le travail des gens illettrés, donc les gens qui n'ont rien dans la tête. On prenait à cœur quand même les moqueries, Je dis que non, je vais avancer quand même. Dans mon coin, je restais, je travaillais, je ne gérais rien. Donc c'est un peu la machine à commencer. Jusqu'à ce que on est là, on est en train de se faire connaissance, on est en train d'améliorer les choses. Dieu fait grâce aussi. Mais comme on dit, les bonnes choses suscitent la jalousie de certaines personnes. Pour ceux qui ne le croient pas, comme on le dit, la sorcellerie en Afrique existe. Peut-être que vous ne l'avez jamais vécu, mais la sorcellerie en Afrique, ça existe et c'est bel et bien prouvé. Pour ceux peut-être qui ne le croient pas, mais la sorcellerie en Afrique existe. C'est ça donc. Certains problèmes. En fait, même lorsque j'ai fait une vidéo disant que je vais arrêter l'activité, certains n'avaient pas voulu entrer dans le vif du sujet. Mais c'était à cause de tout ça là. Combattu en interne, et pourtant. En interne, c'est là où on était censé m'aider pour avancer. Mais tu fais quelque chose que non, on sent que non, celui-là, il peut aller un peu loin. Tac, on doit le bloquer. Puisque là où je faisais l'activité, c'était leur domicile. Les choses étaient basées là. Donc, c'était vraiment, tout était exposé, tout était ouvert. Tac, tac, ils ont tout coupé.
J'ai perdu des années de investissement. Donc j'ai tout perdu mon capital, j'ai perdu tout mon argent. Tout, j'ai été réduit à tout. Par des gens de mon propre. Des gens, les miens, n'ont pas voulu. C'est un peu, voilà pourquoi on dit souvent que non, c'est pas trop bon de faire des choses et de faire intervenir la famille à l'intérieur. Des fois, ça capote mal. Mieux vaut faire une activité deux fois hors, loin de l'entourage et faire cette activité de manière calmement, que personne ne soit au courant. Des fois, c'est un peu mieux. Enfin, moi, je me reconnais en fait comme. Je ne veux pas aller jusqu'au point de dire que non, comme Jésus, non. C'est pas ça. Jésus a été envoyé pour nous sauver, nous enlever du péché, nous amener vers le droit chemin. Bon, lorsque je suis venu de cette activité, j'ai commencé à constater qu'il y avait beaucoup, il y avait beaucoup trop de problèmes. Vous allez là-bas escroquer, vous allez là-bas arnaquer, vous allez là-bas des plaintes, les gens se font extorquer de l'argent. Je le dis, je le redis, je ne me prends pas pour un super génie, non. Le peu de connaissances que j'ai, nous on nous apprend que le peu qu'on a obtenu, je peux le partager. Même si j'ai 100 francs, j'ai 100 francs là, je peux partager 50, moi aussi il me reste 50. La meilleure solution, c'est de partager le peu qu'on a d'abord. Moi, je me vois comme une personne qu'on a envoyée pour venir, c'est un peu de mettre la lumière sur cette activité. Parce que ça ne va pas. Si vous prenez le cas, je dirais, du Nigeria. Le Nigeria, il faut bien cette activité. Le Nigeria développe bien cette activité. Si on prend juste la Thaïlande est mieux développée que toute l'Afrique réunie en matière d'élevage et d'hannetons. Un pays de même pas de 50 millions d'habitants, en termes hannetons, ils sont plus évolués. Le pays qui devrait être vraiment en avance en Afrique, le Cameroun, qui ont toutes les ressources, la jeunesse, le matériel, tout est là. Mais on est en train de se poser des questions, mais qu'est-ce qui ne marche pas au Cameroun? Et on a constaté que ce ne sont pas les grandes pères, ce ne sont pas les seniors. Puisque les seniors n'ont plus cette énergie pour aller faire du n'importe quoi. C'est plus nous les jeunes qui prenons du cœur vite à gagner vite de l'argent. Aujourd'hui, gagner de l'argent vite, c'est un problème. Mais à condition de bien faire des choses, que ça ne puisse pas nuire à une personne. Mais vous, votre argent, vous êtes là, vous allez estorquer des gens de l'argent de gauche à droite. C'est pas sérieux. On arrive aujourd'hui, on ne comprend plus. Vraiment, est-ce que la jeunesse est vraiment est plus focalisée que sur des bêtises? Sur des bêtises, là, on a le temps de se concentrer là-bas. Mais pour des choses productives, des choses qui peuvent pousser le continent en avant, on est là, on se regarde avec des gros yeux. Bon. C'est un peu compliqué. Sinon, il y a des jeunes qui ont été innovés, puisque il y a des jeunes construits qui ont été de réfléchir que non, voilà, il faut faire ceci. Une personne ne pourra pas, une, deux ou dix personnes ne pourront pas faire avancer ce continent. Mais au moins, ils auront pu faire quelque chose. Le premier pas, pourra pousser les autres à aller de l'avant. Plus que dans la vie, souvent, il faut qu'il y ait des gens qui prennent l'initiative d'aller de l'avant. Pour que les autres puissent emboîter le pas. Il faut toujours qu'il y ait un leader qui va faire avancer, qui va montrer le chemin qu'on va emprunter. Puisque Dieu avait mis Moïse en tête, c'est Moïse qui a conduit le peuple d'Israël hors de l'Égypte. Donc il faut qu'il y ait une personne qui prend l'initiative d'aller de l'avant pour que les autres puissent le suivre. C'est toujours comme ça là. Voilà ce que je suis venu dans cette activité. Je dis que non, voilà, il y a pas mal de problèmes. Il faut les résoudre. Je suis même devenu une personne qui dort le matin, la nuit. Je suis en train de faire des recherches. Pour ceux qui savent, il y a même des fois je publie une vidéo à 1h, 2h, à 3h. Mais à cette heure, les gens sont en train de dormir. Moi, je fais quoi? Je suis en train de faire des recherches. Tant que je tombe sur cette vidéo, ça peut aider une personne. Qu'est-ce que je veux faire? Je prends tout ce qui est bon de positif. Je fais une vidéo, je publie. 1h, 2h, 3h. Je suis juste censé dormir. Je suis en train de faire des recherches. Il y a même, j'ai eu le temps de causer avec un monsieur qui me demande, il est venu se renseigner sur la formation, le monsieur croyait que j'allais peut-être demander de grosses sommes. Lorsque je lui donne le montant de la formation, le monsieur surpris me demande finalement, mon petit, qu'est-ce que tu gagnes à l'intérieur? Je dis que mais, finalement, je gagne rien à l'intérieur. Je dis voilà.
le prix que je donne de la formation, en fait, et le travail que je vais donner, en gros, c'est moi qui le perdant. Et moi, je ne me considère pas en tant que perdant. Je le fais par amour, je le fais par la passion de la chose. Le monsieur dit que mon président, finalement, tu ne gagnes rien à l'intérieur. Je dis que voilà, c'est ça là. On est là dévoué pour l'activité. Donc, c'est un peu ça. Donc, moi, je suis là. Je passe mon temps à faire des recherches, à découvrir des nouvelles choses. Et le seul but de venir aider les autres. Donc, c'est ça. On a pris cette initiative de venir. Jusque là, lorsque certains continents avancent, chez nous, nous sommes toujours en arrière. Des fois, ça fait un peu mal. Il faut qu'il y ait aussi un petit point, un petit truc. Jusque aujourd'hui, si cette activité, on va de l'avant. On va gagner nos vies tranquillement. L'Afrique va aussi gagner, puisque l'Afrique aussi va aller de l'avant. Mais on ne veut pas faire les choses sérieusement, on veut juste piocher sur chaque personne. Venez, non, vous avez 10 000, vous allez gagner 1 million chaque la fin du mois. Mais au bout d'un mois, là, le monsieur ne gagne rien, bien la dame ne gagne rien. On vous accuse même que vous commencez à acheter des voitures sur l'argent de formation que vous organisez. On m'a dit, c'est même affiché en commentaire là. On m'a dit, j'ai regardé sur les commentaires, je dis ce que j'ai lu. Vous commencez à acheter même des voitures sur l'argent que vous avez stocké pour les formations qui n'aboutit à rien. Ah, ok. On va juger personne. Hein? Je ne suis pas Dieu. Dieu, le Dieu qui a habilité, qui a la crédibilité de juger une personne. Moi, je ne suis rien. Je n'ai pas ce droit, je n'ai pas ce pouvoir. Je ne suis rien pour juger une personne. Mais des fois, il faut faire certaines remarques qui peuvent peut-être pousser certaines personnes à revoir un peu leur manière de faire des choses. Enfin, c'est ça. Donc, moi, je suis fait comme l'agneau qu'on a envoyé. Toi, tu vas aider les autres. Tu vas trouver des solutions. Des fois, le temps qu'il faut dormir, moi, je ne dors pas. Je suis en train de squatter les vidéos de gauche à droite pour faire un petit sujet, venir publier, afin que ça puisse aider. Lorsque ça aide une personne, moi, ça me fait plaisir. Non, mais en réponse, voilà, ça me fait plaisir, au moins, ça a aidé une personne. C'est ça. Même de gauche à droite, des gens que j'ai formés, là, il y a même des gens qui ont commencé à faire des formations, des gens que j'ai formés, qui commencent à organiser des formations. Ça fait plaisir. Lorsque je dis que non, c'est grâce à monsieur un tel que non, tout ça, ça fait plaisir. On est là. Au fait, moi, je suis quelqu'un qui est dévoué dans cette activité. J'y resterai à l'intérieur, peu importe les situations, mon dos ne bougera pas à l'intérieur. Parce que demain, il faut que cette activité puisse aller de l'avant. Même si c'est à tout, je coule, en fait, il n'y a plus rien. Puisque même là, dans les cas, si je suis en train de toujours chercher des moyens pour me relever. Puisque le choc que j'avais reçu, l'argent que j'ai perdu était une très très grosse somme. Et tout le matériel que j'ai perdu, ça m'a vraiment plaqué. Donc je suis tombé de très bas. Ça ne m'empêche pas, puisque je suis dans une situation normalement où je ne devais même rien faire. Mais je continue à faire pour aider des gens. Alors que moi-même, je ne m'aide pas. Mais je suis en train de continuer d'aider des gens. Je suis en train de chercher de gauche à droite, que Dieu puisse faire la main, que j'ai un peu d'argent, pour que je puisse relancer mon activité comme ça a été. Puisque pour le moment, je suis en train de stagner à la recherche des fonds de gauche à droite. Donc, c'est un peu ça, la famille. Donc, nous, on est dévoués à la chose. Lorsque vous voyez Merveille Prince venir ici, là, c'est pas pour dire peut-être Merveille Prince n'a rien à faire, non. Merveille Prince a envie de publier des choses, non. Merveille Prince est ici là pour aider, pour apporter la lumière, pour apporter de bonnes choses concernant cette activité. Mon but principal, c'est que ça puisse aller de l'avant. Donc, mes chers frères camerounais, mes chères soeurs camerounais, les Ivoiriens, les Gabonais et les Tchadiens, donc toute l'Afrique, prenons aussi au sérieux cette activité, faisons-le de la bonne manière, mettons le cœur à l'intérieur. Pour que demain ça puisse payer. Le continent va aller de l'avant. Nous aussi, on aura des petits jetons pour mettre de la poche. Pourquoi pas vivre de cette activité? Puisqu'on peut vivre de cette activité tranquillement. On le faisait de manière sobre, sans nuire à quelqu'un. Puisque lorsque vous extorquez de l'argent chez une personne, sans pourtant accomplir ce que vous l'avez promis, c'est la escroquerie. La escroquerie se définit comme un moyen de soutirer une personne de l'argent en lui racontant que je n'y ai pas, donc en lui faisant croire quelque chose qui ne va jamais se réaliser. Vous le mettez dans le confort, vous le mettez dans la confiance totale.
des plaintes, en tout cas, j'en reçois beaucoup, j'en reçois presque à tout moment. Surtout venant des grandes personnes, surtout venant des seniors. Ce sont des personnes âgées qui viennent se plaindre. Ils se font duper maintenant par des jeunes. Et là maintenant, ces grandes personnes maintenant ont maintenant peur. Lorsqu'un jeune comme moi vient faire ce genre de choses, ils vont se dire quoi? Ah, ils sont tous des aventurés. Alors que ce n'est pas le cas. Ils sont tous des aventurés. Alors que ce n'est pas le cas. Moi-même, il y a des jeunes, lorsqu'ils viennent même, ils veulent payer la formation. Mais lorsqu'on échange avec la personne, je sens que non, celui-là, ça ne sera pas bon. Je le conseille que même, arrête, mon cher, cette activité, ce sera mieux que tu ne m'envisages pas d'y rentrer à l'intérieur. Et pourtant, je pouvais peut-être raconter du n'importe quoi pour avoir ma part de l'argent de formation, même si les choses, ce n'est pas mon problème. Mais je le conseille que non, de ne pas y rentrer à l'intérieur, de garder son argent tranquillement. Il y a des gens que je conseille même que non, mon cher, avec la manière dont nous sommes en train de changer la physionomie des choses, c'est mieux d'arrêter. Et pourtant, je devais juste me contenter de mon argent de formation. Et moi, je me contente du bien des autres personnes aussi. L'argent est difficile à chercher, donc il faut l'investir dans des choses qui soient rentables. Donc c'est un peu ça la famille. Donc je suis là, Nervé Prince, elle a fait que Nervé Prince est l'agneau. Elle est l'agneau qu'on a envoyé pour aider, pour sauver les anéthons. Mais elle pense donc elle l'agneau qu'on a envoyé. Voilà, toi, il faut aller sauver le domaine. Mais moi, je suis là. Je ne bougerai pas à l'intérieur. Je ne vais même pas bouger, même pas un seul pied à l'intérieur. Que vous me détestiez, vous allez toujours me voir là. Parce que j'ai un objectif à atteindre. Et je vais coûte que coûte l'atteindre. En tout cas, c'est un signe de Dieu. C'est une mission que Dieu a donnée. Il faut qu'on puisse l'atteindre. Même si ça prend 10 ans. Mais au final, on va l'atteindre. Que ça prend 20 ans, 40 ans. Au final, il faut que cet objectif puisse atteindre. Ce domaine doit carrément, obligatoirement, évoluer en Afrique. Et ça, là, c'est sans délai. On va tous s'y mettre à l'intérieur. Chacun va mettre sa main dans la pâte. On va faire la farine pour former le pain. Donc, c'était un peu ça ce que j'allais vous informer, la famille. Ok. Concernant les livres de la formation, les 4 livres sont à 15 000 francs CFA. Vous avez un suivi de 3 mois et vous intégrez le forum. Le 1er octobre, comme je l'avais dit, c'est entre le 1er et le 3 octobre, on aura une vision conférence qu'on avait prévue, initialement qu'on n'avait pas fait. 15 000, vous avez les 4 livres de formation, vous bénéficiez de 3 mois de suivi. La formation, je l'ai juste fait à 25 000 francs. À 25 000 francs, vous avez 5 mois de suivi. Vous avez la formation, vous avez 3 documents à l'appui à l'intérieur. D'accord. Ça, c'est pour vous, la famille. C'est pour vous. Venez, on va travailler, on va étudier tous ensemble. Pour ceux qui se demandent un peu pourquoi on insiste un peu d'éradiquer. En fait, pour ceux qui se demandent souvent, Quelle est la cause principale de la mort des géniteurs? Pourquoi les bacs chauffent à l'intérieur? Vous devez savoir un truc. Lorsque vous utilisez un substrat ou vous faites intervenir le tubercule de manioc, peu importe les aliments, lorsque les aliments ont l'habitude de s'assécher, ça sèche. Puisque ça s'est asséché, ça crée de l'encombrement à l'intérieur. Cet encombrement génère de la chaleur. La chaleur générée, les géniteurs, même les petits anéthons à l'intérieur ne pourront pas survivre à l'intérieur, vont mourir. À 75%, l'eau est la principale cause de décès des géniteurs. À 75%, donc on dirait en gros, l'eau tue les géniteurs. Puisqu'ils ont l'habitude d'aller se cacher sur des mares d'eau. Yes, là, dans le palmier, on sait que dans le palmier, il n'y a pas de rivière à l'intérieur. Dans le palmier, il n'y a pas de lac. Donc, c'est un peu ça. Des fois, c'est la mort naturelle. Mais voilà pourquoi on dit, lorsque vous faites un substrat, revenez après 5 jours, regardez l'état de l'humidité. Donc, vous sentez que non, vous devenez un peu sec, vous prenez un peu d'eau, vous aspergez. Le but principal, ce n'est pas d'avoir des inondations dans le bac, non. Jusque cette eau a juste pour un seul but, de ramollir les aliments afin que les anéthons puissent les consommer facilement, qu'ils puissent bien bien les consommer. Puisque lorsque c'est dur, la consommation prend du temps. Voilà pourquoi lorsque vous récoltez les anéthons, au bout de 30 jours peut-être, ils sont encore minces. Ils n'ont pas eu cette capacité de beaucoup, beaucoup manger. Des fois, le substrat est encore intact.
Mais les choses sont encore dures. Donc, ils n'ont pas cette facilité de bien les mastiquer. Ils n'ont pas de dents comme nous. Donc voilà pourquoi c'est recommandé qu'il y ait juste par exemple d'humidité. L'humidité va permettre à ce que les tubercules, même les écorces de coco, puissent se ramollir. Lorsqu'ils sont là, ils vont juste les consommer. Raison pour laquelle c'est aussi recommandé de mettre les tubercules de manioc 48 heures dans l'eau, les écorces aussi 48 heures dans l'eau avant de les utiliser. Lorsque vous faites un bac, vous montez votre bac, peu importe l'aliment, à la fin, n'oubliez pas de mettre 3 morceaux de canne à sucre à l'intérieur. Vous devez savoir que les charançons, dans leur habitude principale dans le palmier, ils ne pompent pas les eaux n'importe comment. C'est dans des morceaux, dans des galeries qu'ils creusent, là où ils déposent leurs œufs. Ils ne déposent pas les œufs n'importe comment. Vous pouvez le mettre dans un bac. Tant qu'ils sentent que le bac là n'est pas adapté, l'endroit n'est pas adapté, ils ne vont pas pondre. Ils préfèrent mourir avec les œufs à l'intérieur que de les déposer à l'intérieur. C'est naturel. Il veut protéger sa progéniture. Il veut que sa progéniture puisse naître dans de bonnes conditions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Cherchez au moins 3 morceaux de petits cannes à sucre. Des morceaux au moins peut-être de 2 mètres. D'un mètre comme ça, 2 mètres. Au moins 3 morceaux que vous allez déposer à l'intérieur de votre bac. Et vous, lorsque vous allez finir de faire votre substrat, vous mettez les écorces de coco des arbres, vous déposez ces 3 morceaux de canne à sucre. Lorsque vous allez déposer les géniteurs, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'ils vont se balader à l'intérieur, ils s'accouplent. Les morceaux de canne à sucre vont leur rappeler des ouvertures de palmier. Donc c'est à peu près des tissus de palmier. Ils iront déposer les œufs. Puisque la canne à sucre peut maintenir les œufs des charançons dans l'humidité pendant au moins pratiquement 7, même à 14 jours. Ça veut dire que pendant ce temps, lorsqu'elle va prendre ses œufs à l'intérieur, les œufs seront au frais. Même si votre bague chauffe, je ne sais pas comment, la canne à sucre à l'intérieur, il ne va pas s'assécher. La canne à sucre va au contraire générer encore du sucre. Le sucre là va générer de l'eau et les œufs seront au frais jusqu'à ce que les hannetons eux-mêmes puissent sortir d'eux-mêmes. Lorsqu'ils sortent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont juste manger le substrat. Donc c'est ça. C'est comme ce que je dis des pondoirs. Donc on crée des pondoirs pour qu'ils déposent d'abord les œufs à l'intérieur. Et maintenant, lorsque les œufs éclorent dans les morceaux de canne à sucre, automatiquement ils attaquent juste le substrat. Et là, on évite les pertes. J'ai publié une vidéo là, vous avez vu que non, où j'ai parlé de plus de 800 hannetons dans 3 bacs. Dans 2 bacs, c'est plus de 500 hannetons. C'est tout ça là, c'est toutes ces méthodes là qu'il faut prendre. Voilà pourquoi je dis que non, c'est pas juste le fait de faire un substrat, non, ça ne suffit pas. Il faut prendre certains éléments, certains critères qu'il faut prendre en compte pour que les choses puissent bien fonctionner. C'est comme ceux qui construisent une maison. Vous pouvez être architecte, c'est bien beau, mais il faut savoir que non, les briques, on doit bien les placer, sinon le mur sera un peu penché, donc il faut bien placer les briques. Il y a un degré qu'il faut mesurer pour que les briques, le mur soit bien stable. C'est ça aussi qu'on prend en compte dans notre domaine, pour que les hannetons soient de bonnes conditions. Donc n'oubliez pas ces morceaux de canne à sucre, ça sert de pondoir pour les géniteurs. Concernant l'aliment, comme je le dis, ayez le réflexe de ne pas utiliser l'aliment où les éléments sont visibles. C'est-à-dire, des fois le maïs en grain, je ne sais pas quoi autre aliment se fait voir, non. Chez nous, les aliments qu'on utilise doivent être à l'état de farine. Donc, votre aliment doit être vraiment de la poussière. De la pointe ou de la poussière. C'est ce que nous on utilise. C'est plus donc recommandé de faire soi-même ses propres aliments. Normalement, ça ne va pas pourquoi on ne connaît non l'aliment mixte, l'aliment équilibré, l'aliment standard. C'est pour avoir une bonne garantie de faire un bac qui ne va pas nous causer des problèmes. C'est tout ça dans la famille. Donc, envisagez plus de créer vous-même vos aliments. Ou bien, vous allez acheter un aliment, ça doit être vraiment de la poussière. Vous avez vu, on a bien écrasé de la poussière. Mais on peut acheter, vous partez dans un moulin, on écrase encore à nouveau. Ou bien vous achetez l'aliment de porc en forme granulée, vous le mettez dans l'eau, ça va se dissoudre, ça devient de la pâte et vous travaillez avec. D'accord. C'est un peu ça la famille. Donc c'est un peu ça. Pour ceux aussi qui veulent collaborer avec moi, je vais laisser le numéro sur la vidéo. Vous allez juste prélever le numéro sur la vidéo. Vous me contactez. Pour ceux qui sont dans mon pays, à Brazzaville, vous avez besoin de livres, venez me voir sur place, je vais vous donner les livres en format papier. Pour ceux qui sont à l'extérieur, les livres sont disponibles en format électronique. Vous recevez ça sur PDF, vous imprimez ça sur place chez vous. Donc c'est un peu ça la famille. Et, je voulais oublier, les tubercules de manioc, n'oubliez pas toujours de les mettre dans l'eau.
pour que ça puisse ramollir, ça dégage le cyanure. Le cyanure n'est pas bon. Et n'ayez pas cette habitude vraiment de mélanger l'eau de tubercule fermenté pour faire un substrat. Non. Puisque c'est tout contient du cyanure. Le cyanure n'est pas bon. Mais vous utilisez un substrat, vous mettez encore du cyanure. Vous ne faites rien, vous empoisonnez encore votre substrat. Lorsque vous finissez, il faut toujours laver le tubercule, jeter ce tout. Ce tout n'est plus utile. N'ayez pas cette habitude de réutiliser l'eau de tubercule de manioc pour faire votre substrat. L'eau contient du cyanure. Le cyanure est toxique. Vous utilisez encore du cyanure pour mettre du toxique dans votre substrat. C'est pour donc empoisonner les hannetons, les géniteurs. Donc c'est pas trop bon. Utilisez de l'eau propre. L'eau propre. Même à la place de l'eau, vous pouvez utiliser de la mélasse. Puisqu'il y a des substrats où vous pouvez juste utiliser de la mélasse. Vous remplacez l'eau par la mélasse. Vous voulez connaître toutes ces méthodes-là, contactez-moi sur WhatsApp. Donc la famille, c'est tout ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on est là, on va rester ensemble, on est là. Que Dieu nous protège, que Dieu puisse mettre sa main, qu'il puisse nous bénir, qu'il puisse nous faire avancer. En tout cas, ça fera plaisir que nous aussi, on puisse évoluer dans ce domaine, on puisse aussi devenir comme les autres. D'accord, c'est tout ce que je voulais vous dire à la famille. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. On se retrouve à la prochaine fois. Merci. Au revoir.